sur l'esplanade de la Défense avec Jean-François Fournel et Wiza Ouyed, aveugle de naissance. Ah, salut. Salut. Ça va? T'as trouvé facilement? Bon, écoute, oui, hein, ça va. Bon, bah écoute, on va la tenter, cette aventure. T'es prêt à relever le défi, c'est ça? Bah écoute, Paris les yeux bandés, c'est pas évident, mais enfin, j'espère que tu vas bien me guider. Pour l'instant, c'est encore moi qui te guide. Quelques secondes, mais ça va pas durer. Dans 2 secondes, je vais mettre le bandeau, je verrai rien du tout. Et c'est toi qui vas me diriger, je vais me reposer entièrement sur toi. Merci de ta confiance, hein. Tu vas aller prendre le métro. Allez, hop! Oula, c'est ça. Voilà l'objet du délit. Oula. Allez, c'est bien noir. Mets hein. Ça tout de suite. Oh là là, j'ai l'impression d'être un condamné à mort. Bon. Allez, alors, sur oui, les yeux, d'accord. Où est-ce qu'on me fusille? Mais non. Bon. Ça va. Bah, je vois rien du tout. Hein. Ah bah j'espère bien. L'autre instrument du crime. C'est quoi ça? C'est ma canne que je déplie. Ah. Et je vais venir là. Ok. Et on y va. Paris à l'aveuglette. Là, on s'approche de l'escalier, là. Ouais, là, il y a ma canne, elle est sur la première marche. Elle est voilà, sur la... là, je descends, vas-y, descends. Ok. Voilà, et on y va, c'est l'escalier. Et il n'y a pas une rampe? Attends, ouais. Je regarde, ouais, sur ta gauche. Non, j'ai trouvé. Tu l'as trouvé, ok, on y va. Ça va? Ouais, ça va. Pas trop... Non, écoute, je me détends. Et là, on est dans une barrière. Là, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac? J'ai l'impression. Attends, on va voir. Ouais, là, il y a une barrière aussi. Vous voulez descendre? Vous n'êtes pas dans Oui, le... ça serait bien. Là, ça monte. Oui. Alors, vous avez l'escalier. Qui est où? Qui est où? Juste là. Là. Non, là, on est aveugle. C'est par là? Là, je vous dirige. D'accord, ok. Allez-y. Voilà. Il y a quelqu'un qui te guide, là? Oui, il y a quelqu'un qui nous guide. Bon, voilà. D'accord. Ah, c'est là, l'escalier. Là, il y a un nouvel escalier pour descendre. Voilà, merci, madame. Merci. Voilà. Oh. Vas-y, descends. Tac. Alors, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas évident du tout. Alors, moi, je comprends absolument rien, là. Je ne sais même pas dans quel coin le métro. Donc, dans ces cas-là, tu fais quoi? Alors, quand tu es vraiment perdu? Oh, bah, je te demande si je vois quelqu'un, mais... Le truc, c'est qu'il n'y a pas tant de monde. Ah, j'entends du monde là-bas. Tiens, on va aller où les enfants pleurent. Bon, les machines, elles sont où? Tu les vois? Tu sais où elles sont? Ouais, je les entends, elles sont... Tu les entends? Ouais, je te dis, elles sont un peu à gauche. Voilà, ça doit être... Ah oui, oui, j'entends des trucs. J'entends cling-cling, ouais. T'entends cling-cling? Alors, regarde, cherche la fente avec ton doigt. Voilà, vas-y, va le rattraper au bout, là, et avance. Attends. Là, hop. Avance. Attends. Voilà, attention, c'est la marche. Ouais. Voilà, on descend. Là, il n'y a pas de rampe? Oh, je sais pas. Moi, je travaille pas à la rampe. Allez, ah bon? Vas-y, descends les marches. Là, il y a une bande oui. Au sol, tu vois? Tu sens? Et là, ça veut dire qu'il va y avoir une marche. Ah, d'accord. Là, je ne sais pas. Oula, on se rapproche du métro, là. Ouais. Oula. Voilà, regarde, là, il y a les bulles. Ok, et hop, les bulles, tu fais d'accord. Un pas, et ça change de sol, c'est le métro. Ah oui. Voilà. Ah. Je vais démarrer. J'avais compris. Là, t'entends ça même quand tu vois, c'est vrai. Ouais, c'est bien, oui. Je suis aveugle, je suis miro, mais je suis pas sourd. Alors, comment ça se passe, là? Bah, écoute, sur l'esplanade, ça allait très bien, parce que c'était cool, c'était calme. Là, ce qui est... des bruits étaient agréables, j'avais la sensation du silence, d'apprécier plus les sons, parce que comme je ne voyais pas, mais là, le bruit m'a beaucoup agressé. Ouais. Beaucoup agressé, ouais. Je suis surtout, j'ai l'impression d'être perdu dans un labyrinthe, en fait. Ouais. Je ne comprenais absolument rien, et je me demande bien comment j'aurais fait sans toi. C'est des portes comment? En vert, là, les grosses portes. Ah oui, les grosses portes, d'accord. Voilà. Et là, on arrive à l'extérieur. Ouais. Voilà. Continue. La rampe est chaude. Il y a des escaliers encore des marches. Oh là, je sens, ouais, encore. Je sens la lumière là qui arrive. Voilà. Hop. La chaleur aussi. Ouais, la chaleur. Voilà. Ah, c'est un autre monde, là. Voilà. Ah, on entend les enfants, t'entends? Ouais.
Ça doit être le alors là, là c'est perturbant parce que j'ai plus de couloir, je ne sais plus où on est. Au jardin des Tuileries. Du coup, je me sens plutôt calme ici, j'ai pas l'impression d'être cerné par le monde, pourtant il doit y en avoir forcément. Et puis, le petit jet, il y a le jet. J'ai l'impression d'être. Si tu veux, j'ai vraiment l'impression que je pourrais être tout à côté, que c'est quasiment le robinet de la baignoire là. Non, en fait, il est un petit peu plus loin, pas à quelques mètres sur notre droite. Alors, on va faire un tour. On va faire un tour. Allez. Allez, hop. Et moi, j'aimerais bien quand même que tu me montres un peu comment ça marche avec la canne. Ouais, d'accord. Tu mets la main dans la dragonne, ouais. Voilà. Et puis tu la tiens comme ça, dans la paume de la main. La main un peu comme tournée, ça comme ça. Ah, c'est comme un club de golf, dis donc. Voilà, comme et pourquoi ça. Pourquoi comme ça, si tu touches un obstacle, ça ne rentre pas dans le ventre. D'accord, ah oui. C'est ta main. Comme ça, ah voilà. Oui, d'accord, ok. D'accord. Et après, tu balayes. Tu balayes devant toi, comme ça, soit en levant, soit en traînant, comme ça. Mais par contre, par exemple, si tu avances le pied droit, tu mets ta canne à gauche. Et pourquoi? Pour anticiper sur l'autre pied qui va venir après. Donc vas-y, gauche, tu vas à droite. Ah oui. En marchant droit, tac. Attends. Deux secondes. Vas-y. Je me concentre. Vas-y. Parce que c'est pas si simple. Hop. Tac. 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 Ah oui, c'est un mouvement régulier, d'accord. C'est très, très tranquille. D'accord. Si t'es pas tranquille, tac, ça marche. Tac, tac, faut être une horloge, quoi. Voilà. Alors. Je vais essayer d'être une horloge zen. Un, deux. Oula. Attends, on se calme. Non, bah, tout va bien, c'est juste un obstacle. Ça sert à ça, la canne. Hein. C'est, le but, c'est précisément que tu aies... C'est une fontaine. Ouais. Eh oh. Ah bon bah. T'aimes pas la fraîcheur des arbres, là? Bah, on est sous les arbres. Tu sens pas? Attends. Une espèce de... Voilà. C'est un parfum, surtout. Ah oui, mais ça, c'est une parfum d'une dame. Une dame qui est passée. Je pense. Ouais. Mais sinon, on va aller sur les quais de Seine. Sur les quais de Seine, d'accord. Voilà. Et attention. Et comment on va y aller sur les quais de Seine? Après, on va prendre le bateau-bus. Le bateau-bus? Ouais. D'accord. Papa. Oula. Attends. Il y a quelqu'un qui prie, là, non? Non, je sais pas. Oh, putain. Merde. Alors, attends. On va essayer de passer. Viens, suis-moi. En crabe. Sur les quais de Seine. Mais écoute, c'est plus cool que je le pensais, hein, au bord de l'eau. Ah ouais? Ouais, c'est le passage que je craignais entre tous. Et en fait, je me rends compte qu'il y a de l'eau parce qu'il y a un bateau, là, je crois. Enfin, j'en suis sûr, mais là, c'est un bateau mouche, quelque chose comme ça. Il bouge ou pas, j'entends le bruit du moteur, mais... Si, ça a démarré, mais... On a démarré, là? Oui. Ah oui, ça bouge un tout petit peu, là. T'entends le... Ouais, ouais. En dessous, clapotis, ça clapote. Ça commence à clapoter, oui. Mais bon, c'est la Seine, c'est calme. Là, on vient de passer au soleil. Mais comment ça se fait qu'on était à l'ombre sur la Seine? Il n'y a pas d'arbres. Il y a des ponts. Ah, il y a des ponts. Voilà, exact. Exact, Sherlock Holmes. Bon, on fait quoi maintenant alors? Je crois qu'on va aller à Beaubourg. En même temps, tu vois, le truc, c'est que c'est pas moi qui vais t'emmener là. Là, ça fait un moment que t'es dans le noir, t'es habitué. Ça va pas, non? Quoi? Bah quoi? Attends, c'est pas moi qui vais te guider, si? Bah, c'est le moment maintenant. Non, mais il y a une rue, là. Bah oui. Bon, il y a une rue. Ouais. Elle est où? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Attends. Attends. Moi, je pense que la rue, elle est tout droit... Ah, il y a une voiture qui démarre. Je pense que la rue, elle est devant nous, là. Donc le feu rouge, il est devant moi. Pas tout à fait. Bah, essaye d'y aller, mais je crois pas. Ah, non, mais attends. C'est la première fois. Il est où pour toi? Bah, regarde, c'est là. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu sens là? Regarde, ça rugosite. Tu es bien entre toi avec ta canne. Voilà. Ok. Voilà. Et des voitures, tu crois? Bah, elles sont arrêtées, à mon avis. Voilà, alors on l'attente. Allez. Bon, bah, Inch'Allah. Hein. Vas-y. Adieu. Allez, adieu, Wiza. Adieu. Marche bien droit. Balaye.
Voilà. Et là, je suis au milieu de la route, là. Sur un petit... J'ai une sorte de terre-plein, voilà, c'est ça? Voilà, je crains bien. Les voitures arrivent de droite, là. Voilà. Et tout à l'heure, elles arrivaient de gauche. Okay. Alors, on va voir si ça marche. Et moi, j'ai un autre truc pour traverser, c'est ça, c'est une télécommande, en fait. Qui fait parler les feux, en fait. Ah, super. Mais là, ici à ce carrefour, il ne parle pas, donc ça ne marche pas. Je vais traverser, madame. Vas-y, avance. Voilà, merci. Allez, guide-moi, vas-y. Attends, mais je vais me manger un... Voilà, c'est bon. Ouais, tu vas te manger rien du tout, il y a un trottoir, c'est tout, voilà. Ouais. Alors, on le monte. Non, il descend celui-là. Ah oui, alors cherche, voilà, tiens, donne ta main, mais celui-là... Voilà. C'est bon. Voilà. Hop. Au centre Georges Pompidou. Tu perçois comment Paris ici ? Comme une ville reposante. Ce qui n'est vraiment pas le cas quand on est au niveau du sol. Ah oui, quand on prend de la hauteur, ça change tout. Hein. Ouais. C'est marrant, j'ai presque le vertige, dis donc. Ah bon ? Ah ouais, c'est fou. Pourquoi ? Je ne vois pas, mais j'ai la main tendue. Ouais. Et du coup, ça me porte vers l'avant et j'ai presque le vertige. Bah, une fois qu'on aura fini notre glace, tu vas pouvoir enlever ton bandeau. Hein. Ouais. Et puis tu me raconteras ce que ça te fait de retrouver la vue, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Enfin, ça ne m'est même jamais arrivé. Bah, je ne sais pas, on peut toujours rêver. Hein. Ta-da-da ! J'adore redonner la vue aux aveugles. Ah, doucement. Ouf. Doucement. Voilà, bon. Ouais, c'est marrant, il y a moins de soleil que je pensais. Ah, dis donc, on est prêt. Hein. C'est bizarre. Tout à coup, le bruit s'éteint. Ah oui ouais. T'entends moins de choses. Ah oui. À la gare de Lyon. Alors, c'est bizarre parce que cet endroit-là, je le connais par cœur. Mais là, c'est marrant, j'ai l'impression que tout tourne autour de moi comme si c'était un manège. Ouais, j'ai l'impression d'être sur un manège parce qu'il y a le son, j'ai plus l'image. Donc j'ai plus que le son et le son il tourne. Ouais, c'est chaud. Putain, elle est chaude celle-là. Regarde, non mais pas ta ça, main. Ça s'appelle une voiture ça. C'est une voiture ça? Ouais. Attends, il y a des voitures là. Où ça? À gauche. Ah oui, elle est partie. Parce qu'on est sur un trottoir. Bah oui. Encore des motos. Ah oui, là c'est un parking à motos, ce trottoir. C'est plus un trottoir là. Bon, on va où maintenant? C'est quoi le programme? Bah, on est en train de se diriger vers Bastille, vers le marché Bastille, où j'ai une copine qui expose des sculptures. Place de la Bastille. Moi, je sais pas dans quelle direction il est le... On va demander, non? Parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mademoiselle, on cherche le boulevard Richard Lenoir. Voilà, vous traversez. Ouais. Vous voyez le... Non, on voit rien, on est à bas tous les deux. Ah, excusez-moi. Trois fois à traverser et après vous continuez. Ah, ça y est, on est arrivé. Bonjour Jaro. Voilà, je te présente Jean-François. Bonjour. Bonjour. Il vient toucher tes sculptures. Donc c'est très dur ? Non, c'est pas dur, c'est une pierre tendre. C'est une pierre tendre, donc là, je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, si tu touches, plus tu vas frôler. Ouais. Plus tu vas apercevoir de choses en fait. Là, ce truc là. C'est un pied. C'est le bout du pied, l'un sur l'autre. Donc ça, c'est forcément une cuisse, une jambe et une cuisse. Voilà, et la deuxième. Donc. La deuxième à côté, touche avec tes deux mains. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Ils sont là, un peu pliés. Et là, en plus. Et donc, on doit avoir les fesses là, logiquement. Voilà. Dans le dos, oui. En fait, c'est un petit caraco, enfin un petit haut, un petit top, avec des petites bretelles sur les épaules qui passent comme ça. Ah, oui, d'accord. Mais ça, c'est un vêtement, ça. Ouais, c'est un vêtement. J'ai l'impression. Eh ben, écoute, je trouve que c'est une expérience presque érotique. Parce que on touche dans le noir des formes très rondes, avec des matières très douces. Normalement, une sculpture, c'est une émotion immédiate. Alors que là, tu aimes ou tu aimes pas, ça te plaît, ça, tu sais pas, c'est beau ou c'est pas beau. Alors que là, tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé de réfléchir à ce que tu vois sans le voir, d'une certaine manière. Ah ouais. Alors, d'une certaine manière, il y a une forme d'érotisme, mais en même temps, je trouve ça très cérébral. C'est quand même pas... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu as tout de suite cherché le sens. Avant d'aller dans les sensations, tu as tout de suite cherché ce que ça voulait dire.
Enfin, j'ai eu cette impression. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça que tu l'as vécu, en fait. Bah, un peu comme un jeu, d'une certaine manière. Oui. C'est bizarre. Bah, moi, je commence pas forcément par chercher ce que ça représente. Je commence déjà par voir si les formes me plaisent. Comme peut-être tu fais avec le regard. Bah oui. Maintenant, on va s'arrêter. Et tu vas redémarrer tout seul pour aller au bout de l'expérience. Ben, maintenant, tu vas essayer de voir ce que c'est un aveugle tout seul dans la ville. Tu continues sur le trottoir tout droit. Attends, tu me lâches là? Ouais, je te lâche. Ça y est. Attends. Elle est passée où? Je vais pas l'appeler. Elle attend que ça. Pour l'instant, c'est tout droit. Oh. Oh putain, il y a du soleil là. Juste là. Putain, il y a des travaux là. Je vais demander aux ouvriers, hein. C'est ce bordel. C'est une marche. Bon. C'est des escaliers. Putain, c'est dangereux ici, haut. C'est quoi ce bazar? Ah, il y a des travaux là. Être trop près du mur. Je sais pas pourquoi il a arrêté ce bus, si c'est un feu rouge ou pas. Il était pas loin, hein. C'est ça. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Bon, allez. Ah. Ça va? Bah écoute, c'est un peu stressant, mais je me suis pas énervé en fait. Il est pas là le bus? Il arrive. Il arrive? Voilà, ça s'ouvre devant nous. Bonjour, c'est bien le 46? Toi, t'aimes bien le bus? Ah ouais, moi je prends que le bus. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien d'une manière générale, mais là, je trouve ça par rapport au métro. Le chauffeur, il t'aide quoi, non? Comment? Quand il peut, il t'aide le chauffeur. Non, mais normalement, il y a des annonceurs qui peuvent m'aider. Ouais. Bon, ils sont souvent sympas. Hein. Ouais. Là, c'est une dame, je crois. Même les voyageurs. Hein. Même les voyageurs, ils sont sympas. Oui. Bon, oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Les deux. Voilà. On peut manger? Bien sûr, bienvenue. Merci. Au restaurant. Je comprends pas. Il y a une autre table, là, derrière? Voilà, derrière, bon, voilà. Juste au milieu. Parfait. Juste en face. Merci. C'est parfait. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Vous avez parlé d'une rôtisserie. Qu'est-ce que c'est, la rôtisserie? Vous avez un poulet rôti au thym, pièce de bœuf magret de canard, travers de porc. Ça a l'air bon, ça, mais ça va être difficile à manger. Mais ouais, je vais prendre ça. J'aime ça, moi. Mais parfait. On va s'amuser. Ouais, on va s'amuser, ouais. Voilà. Ça arrive. Elle est où l'assiette? Attends. Attention, ils sont merci. Chauds des assiettes. D'accord. Très bien. Ils sont très chauds les assiettes. Merci, monsieur. Alors, ça, c'est la purée maison. Là, c'est une assiette avec de la purée. Tu mets ta serviette, peut-être, je sais pas. Voilà, pour vous, monsieur. Attendez, je vais mettre ma serviette d'abord, parce que sinon, ça va tourner à la boucherie.
Ok. Voilà. Merci. Donc c'est là. Merci beaucoup. Ok, merci. Ma serviette. T'as un couvert pour te servir. Devant là, c'est ça? Non, là. Dans le plat. Dans le plat. Dans le plat. Voilà, là. T'as une fourchette et une cuillère. Ouais. Essaye de prendre la première chose qui vient et puis. Oh là 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 là. Sinon tu vas. Si tu cherches. Enfin, tu fais comme tu veux, mais si t'as une exigence d'ordre, on est mal barré. Hein. Tu peux déjà manger un peu de bouchée de purée pour te boucher un. J'ai une chaleur ici. Ouais. Voilà. Alors ça te fait rien. Ah ! Gagné. Alors les goûts, les goûts ils sont comment plus t'as l'impression qu'il y a plus de goût ou, ça, ben, je sais pas, ça change un truc ou pas? Non, alors autant ça change le son, parce qu'on entend beaucoup plus. Mmh. Mais là le goût, si tu veux, je suis plutôt tellement concentré sur l'idée de mettre un truc dans ma bouche et pas à côté de ma bouche que le goût, bon. Ouais, t'en profites pas quoi. Non. Je crois que je pourrais manger un bout de carton, ça serait pareil. Tu sais, moi je m'aide avec le bout des doigts. Hein. Non, mais moi j'aime pas manger avec les doigts. Bon, bah écoute, je vais faire comme toi. Non, mais pas que les doigts. Regarde tes couverts et aide-toi juste avec le bout des doigts. C'est pour ça que j'ose pas trop te le dire parce que je veux pas que tu patauges non plus. Mais tu sais, c'est juste quand t'es pas sûr ou quand tu veux diriger un truc, tu touches avec juste le bout des doigts. Mais t'es pas obligé de lâcher tes couverts pour ça. C'est pas prendre à pleine main et manger avec les mains. Avec les mains. Mais alors là, je suis paumé là, moi. Bah, depuis que j'ai les yeux bandeux, je m'en fous qu'on me voit. Sauf là. Un petit peu, je m'en fous, oui. Mmh. Et toi, non. Toi, c'est... Non. Écoute, tu sais quoi? Je vais manger la purée. Après, je vais me calmer, là. Et là, je vais laisser tomber pour l'instant, parce que là, ça m'énerve. Voilà. Après, on verra. Au bois de Vincennes. Alors voilà, on arrive à la fin de cette expérience aventure. Un petit voyage quand même, un vrai voyage. C'est vrai? Qu'est-ce que tu ressens? Il y a toujours une part de... à la fois de soulagement, j'ai envie de retrouver la vue, mais en même temps, je suis un peu triste de quitter ce pays-là, finalement, auquel... je dirais pas que je me suis habitué, ça serait beaucoup dire, mais un peu acclimaté. Et d'une certaine manière... En fait, j'ai pris pas mal de plaisir à cette expérience. En quoi c'était bien d'être dans ce monde des aveugles, alors? Bah, c'est vrai, je ne m'attendais pas à trouver ça bien. D'abord parce que j'ai trouvé ça très calme. En tout cas, les moments où tu me guidais, les moments où j'étais sous ta responsabilité, où tu me montrais des choses, j'ai trouvé ça calme. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'être calme. Je n'ai pas l'habitude d'être dans un monde calme. Et je me laissais aller d'une certaine manière, beaucoup, et finalement j'ai trouvé ça presque apaisant. J'avais l'impression d'être dans un monastère, d'être dans une retraite, dans un voyage intérieur. Je m'attendais à une aventure plus extérieure en fait, plus spectaculaire. Je m'attendais à tomber, à vivre des choses presque dangereuses. Est-ce que je connais mieux le monde des aveugles maintenant? Je ne suis pas absolument certain. Mais en fait, je suis encore un peu plus dans le noir, d'une certaine manière. Parce que je croyais savoir des choses, j'en sais encore un peu moins aujourd'hui. Parce que maintenant, j'ai vécu des émotions, mais je les ai vécues de manière... je les ai vécues à ma manière, à moi. Ça, c'est clair. Je pensais pouvoir me mettre à ta place. Eh bien, ce n'est pas possible. Viens, mon chien. Viens dans la main. Allez, viens. Viens, ouais. C'est bien. T'as réussi à traverser Paris tout seul, la Défense, château de Vincennes. Franchement, il est fort. Hein. Bon, allez, Louisa, merci. Hein, c'était super. Merci. Salut. Une belle aventure. On se revoit bientôt. Bah, je t'appelle. Ok. D'accord. Ciao. Allez, en avant tout droit. Tu vas tout droit, mon chien. Hop. Bye bye. Ciao. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin à Huy au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble, 01 53 86 000 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr.
Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à-vous-de-voir/. Ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 24 rue Marceau, 92 130, ici les Boulineaux. Réalisateur Bernard Jourdain. Productrice déléguée Suzanne Masson. Avec la participation du Centre National de la Cinématographie. Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Ahuy au service des aveugles et des malvoyants et la Fédération des aveugles de France. France Télévisions, Pôle Documentaire, Pierre Bloch de Fribert, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Crystal Média et France Télévisions.